Oui, vous devez comprendre que ce ne sont pas ces pays-là qui ont cette politique-là. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas encore convaincu de ça parce que nous sommes engagés ensemble pour lutter contre ça. Ces pays, auxquels vous faites allusion sont eux aussi menacés par une instabilité, si vous ne le savez pas. Et cette instabilité peut aussi partir de chez nous. Donc vous voyez, ce problème est devenu complexe. Il ne faut pas simplement le voir avec un seul œil en se disant, oui, mais ce sont les étrangers qui viennent nous déranger. Dites-vous bien qu'il y a aussi des étrangers chez nous qui se préparent à déranger aussi ces voisins-là. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés, eux et nous, de nous donner la main. Et c'est là qu'on va voir si vraiment, comme vous semblez le soupçonner ou le dire, il y a complicité, mais je ne crois pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, et même peut-être la certitude, que mon message est passé.